Wesh les oufs, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab j'ai la patate. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui devra en aider plus d'un. Je viens de trouver une technique là. Si vous avez mangé des cartons rouges, il y a une technique pour surpasser ce carton rouge. Ce n'est pas une technique que j'ai trouvée par moi-même. Je l'ai trouvée sur YouTube. Il y a plusieurs youtubeurs qui ont fait une vidéo à ce sujet-là. Mais je me dis que certains de mes abonnés ne sont peut-être pas au courant de ça. Que ça devrait en aider plus d'un. Même toi là qui regarde cette vidéo. Moi-même, je suis en train de regarder le match là contre Saint-Étienne, Marseille-Saint-Étienne. Marseille, Nkoulou, il a mangé un rouge. Hein. Je vais pas faire. Hein. Franchement, ils me font mal à la tête en ce moment. Je vais pas faire un débat sur ça. Hein. Cette année là, il faut que la Brune, il faut que Margarita, cette pute, il faut qu'elle vende. Enfin bref, je resterai Marseillais. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire quelque chose parce qu'un club comme l'OM ne peut pas subir ce qu'il est en train de subir hein. En ce moment. Ils sont en train de niquer le club. Ils sont en train de niquer le club. Enfin bref. Alors, la technique pour ce carton rouge, il vous suffit de faire quoi? Vous mettez ce joueur dans la réserve, vous lancez un match, mais attention, vous n'allez pas jouer ce match. Il suffit juste, regardez, vous lancez le match. Voilà, vous faites Alt F4 sur PC, comme ça. C'est pas compliqué, Alt F4. Si vous êtes sur console, vous allez dans les menus, vous fermez le jeu. Ce que vous faites, c'est que vous relancez le jeu. Et là, logiquement, le carton rouge a disparu. On va se connecter. C'est une bonne technique, ça devrait en aider plus d'un, surtout ceux qui ont une seule équipe. C'est beaucoup, c'est mieux que de jouer un match avec un défenseur qui n'a pas de collectif ou un vieux défenseur qu'on est obligé d'aller chercher sur le marché des transferts, etc., etc. On va se connecter et on va voir. Normalement, le carton rouge a disparu. Mes équipes, on peut voir que le carton rouge a disparu. Voilà, c'est pas compliqué. Vous lancez le match avant d'arriver au menu d'accueil pour jouer le match ou pour choisir les t-shirts, les maillots. Au moment où il y a la barre recherche d'adversaire, vous quittez le jeu et vous relancez. Vous avez la preuve, le carton rouge a disparu. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que t'as kiffé toi en ce moment devant la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu. C'était Drama Liquidy. Peace. Ciao les mecs.